faire monter la tête sur l'appareil. Il y a un programme sur l'instrumenteur qui va nous analyser tous les mouvements qu'il doit faire la tête. Si elle est déficit, il est enregistré sur un ordinateur et qui nous permettra de l'évaluer en positif sur une courbe musculaire, tout ce qui prend musculaire, et on aura son profil. On peut détecter les déficits pour pouvoir les corriger et les renforcer. Et on peut également faire un programme de rééducation en cas de blessure. De nouveau, le programme musculaire. Donc ça apparaît que triple utilité et qui est aussi utile pour le médecin, le kiné, le préparateur physique. Voilà, en gros, c'est la question. Là, c'est aussi un appareil qui est un simulateur, c'est un diable d'oxygène, qui permet à l'athlète de travailler dans des conditions extrêmes, comme au niveau de l'altitude. Donc avec un masque d'oxygène, en fonction de l'altitude, je peux faire travailler l'athlète sur différentes altitudes, et ça permettra de faire une préparation. J'ai un produit spécial qui s'appelle la tourbe, qui est produit dans certains pays, ça n'existe pas. Les 10 derniers centimètres, une fois qu'il trouve ton main, le sable, au bout d'un moment, ça crée un agrégat qui ressemble à la terre végétale. Et il permet au gazon de pousser dedans parce qu'il serre. Le gazon peut aller jusqu'à 8 cm, donc il n'y a pas de l'air. Ensuite, quand il se consolide, il y a les kezarbiens. Même l'entretien. C'est énorme. On a recruté un ingénieur et deux techniciens de l'agriculture, ils sont formés, ils sont en cours de formation, mais ça l'homme fait maintenant ça short, dans la société anglaise, et ils sont à plein temps ici. L'ingénieur a un automobile à sa disposition, au téléphone, il dit Arba Tasbah, le prochain allé l'esprit ou il dit le doigt. C'est pas un travail de bureau. C'est pas des stades. Le bureau n'a pas dit même bien sûr. Ou le grand absurde, Narli, Jinahnam Saint-Juy, décrassage ici, il n'y avait pas une bouteau. Drainage, c'est le matériau où ça pousse. Je ne peux pas le faire sur la terre végétale. Là, on ne se rend pas compte, mais là, le côté comme il est revenu, là, en dessous de ça, il y a une couche de soupe. C'est-à-dire c'est la couche qui pousse le plus et qui coûte le plus cher. Là aussi, il dirait l'homme du béton, il dirait le goudron et il met le tapis. Ça devient dur, c'est pour ça qu'il y a des blessures. Alors qu'en dessous, il y a une couche de souplesse comme ça. Quand tu fais des grès dans les sites internet, tu fais les constructeurs, ils ont les coupes. Tu le gars le drap, on bat le gars pour avoir la couche de souplesse. Ça coûte la plus cher. Après le moins de 10 ans, c'est le problème des appels. Donc, au lieu de prendre le meilleur, ils prennent le moins de 10 ans. Le moins de 10 ans, j'ai des regrets de quelqu'un, ça veut dire que tu fais qu'est-ce que je me drape. C'est comme ça. Allez, continuez vous. Thank you.
شيخ لي جوار ريكيبيراسيون مورمي زونريمون لا هذا بون هذا ماشي لا في دي ماتش ها صح هذا الماتش اللي هو لا في دي ماتش ديال ريجي نعم عندكم واش هو لي صاله ثاني تاع لي صاله ديال في صاله il a deux matchs au du monde parce qu'on a fait deux matchs la vous êtes un peu de vous voulez vous je fais un carotte bientôt. Il y a aussi un problème majeur que nous avons avec le développement du football. Vous savez que la préparation physique est un métier particulier, c'est un diplôme universitaire sur d'autres yeux. Et en accord avec le ministère de la Jeunesse et avec le ministre de la Jeunesse et du Sport depuis peu, depuis une semaine en réalité, et la DTN, nous allons donc lancer une commission nationale de la promotion au niveau du secteur de la Jeunesse et du Sport qui va être installée récemment. Et donc nous avons demandé à ce qu'on puisse programmer la formation des employés des préparateurs physiques avec un diplôme national. Nous, nous allons le faire avec un diplôme fédéral en attendant que l'ISTS ou le département du ministère puisse faire des apports de coopération avec des universités à l'étranger du type de l'Université de Dijon ou de Lyon pour avoir un diplôme universitaire. C'est la même chose pour les entraîneurs de gardien de but. Nous nous sommes aperçus que nous avons un vrai problème de gardien de but aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un junior qui va jouer la CAN en quelques mois. On n'a pas réussi à trouver de très bons gardiens pendant deux ans. Et j'ai dû charger certains opérateurs de Sierra Saint-Belgique, qui sont l'équipe A, de faire une opération de prospection en France, pour les faire taper au bilan que nous avons eu un millier de gardiens. Nous avons sélectionné le mois dernier 180 gardiens sur le territoire national de 18-19 ans et desquels il y a eu 22 sélectionnés qui sont venus ici au centre pendant une période et de ces 22 on a pu prendre un seul gardien. C'est dramatique, on ne peut qu'un seul gardien. Et on a été obligé de faire venir un gardien d'un club professionnel en France, un Algérien, qui était dans un club professionnel de cet âge-là, et qu'on a détaché qui a fait temps ici avec les Dubas pour préparer la canne. Toujours en termes de formation, pour clôturer le secteur de la formation, l'arbitrage a fait beaucoup. Moi, j'en parle ici des critiques. Sur l'arbitrage, moi je voudrais saisir l'occasion pour féliciter la commission d'arbitrage et les gens qui travaillent à la fédération parce que si vous regardez comment on était en 2009 et si vous regardez les effectifs qu'on avait en 2009, vous savez qu'on a des besoins énormes dans l'arbitrage. Tout à l'heure quand je vous parlais de 6000 équipes, on ne parlait que de celle-là, ça fait 3000 matchs par semaine.
Si on joue une équipe contre une équipe, si on divise par deux, ça fait 3000 matchs. On organise plus de 120 000 matchs par an. Les gens ne regardent que la Ligue 1. Hier, on a regardé le 16e match, c'est très bien. D'ailleurs, je saisis l'occasion, j'ai oublié de transférer ce message au public de l'Union de Gatanji et de la JSK pour les féliciter, les deux équipes et le président, et surtout les joueurs. Parce que hier, ce match nous a réconciliés avec eux. Hier, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match en plein de fair play, en plein d'amitié, en plein de convivialité, et des tribunes qui étaient magnifiques où on avait l'impression d'être ailleurs qu'en Algérie. Et c'est ça le vrai football, c'est ça le vrai professionnalisme. Des joueurs qui s'embrassaient à la fin du match, et à la fin de la tête de Sofia qui est le gagner, c'est domicile. On aimerait voir tous les jours des spectacles comme ça. Merci à Fiesta et merci au Mondial. Donc, je disais des arbitres que ça ne pousse pas dans la rue. Le système arbitre qui existait de petites veillées arbitrales par semaine fait déjà dépasser. Donc, on a un système de formation qui est un peu ancien au niveau local ou particulièrement au niveau national. Mais en réalité, on a pris un système au niveau fédéral où nous formons par 100 à 200 jeunes talents chaque année. L'année dernière, aujourd'hui, vous avez des arbitres dont on ne connaît pas les noms, qui sont ceux de la division professionnelle, et qui sont très bien. Cette année, nous avons 180 arbitres, jeunes talents, âgés de 25 ans, 90% universitaires, qui sont en formation. L'année prochaine, une partie d'entre eux, ceux qui réussiront leur examen, seront déjà sur des terrains à un niveau moins interdit pour l'année suivante être fédéraux et ensuite gagner leur talent. Si ce programme est achevé par la fédération normalement dans les deux prochaines années, les gens vont se bousculer au portillon, il va falloir être un excellent arbitre pour pouvoir arbitrer dans la division professionnelle. Au-delà de l'équipe à prime, il y a une réflexion qui est engagée, j'ai demandé personnellement à DTN de le faire. C'est les U17. Si vous voyez, depuis l'indépendance à Séoul, nous n'avons jamais réussi à aller en Coupe d'Afrique des Nations par le chemin normal. La seule fois où on a été, c'est lorsque j'ai demandé à organiser la CAN ici, et qu'on l'a organisé en Algérie, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on s'est même permis de luxe d'aller en finale, malgré la tricherie des chemins qu'on avait. Disqualifié le Niger et la fameuse Gambie contre qui on a joué la finale est allé en Coupe du Monde avec une équipe complètement différente. Avec 15 joueurs de change. Parce que Mahakam Jouya, quand elle a donné les médailles, le capitaine d'équipe est arrivé, Claude, ça va les enfants, bien ça va, président. Alors, donc, c'est la même chose, ça continue. Nous avons introduit le système de contrôle scanner. Et nous nous sommes aperçus maintenant, encore une fois, que les gens continuent de tricher. Un joueur A passe l'examen du scanner, il est normal parce qu'il a moins de 17 ans, son poignet n'est pas fermé. Mais c'est un joueur B qui va jouer à sa place avec son passeport le lendemain dans le match. Donc, cette fois-ci, les U17, avec tous les moyens, deux ans de travail, beaucoup de sacrifices, on se retrouve avec une modeste équipe de Costoana. On a acheminé là-bas, on vient ici, on n'arrive même pas à manquer de buts pour se qualifier. Puis de toute manière, un niveau comme ça, aller en Coupe du Monde, c'était pas évident du tout. Alors qu'ils n'étaient pas dans la liste des juges. Et parce que c'est des juges qui sont dans le tribunal civil, qui n'ont aucune relation en France. Et qui viennent juger les affaires comme ça, sans même pas appeler les personnes concernées par l'affaire pour se défendre. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça donne des annulations de championnat de discipline, ça donne des annulations de décision, et ce tribunal-là, il a pour confirmer ou infirmer. On n'a pas le droit de prendre d'autres mesures, parce que les mesures se prennent dans la fédération. Prenez comme un exemple. La CRR, la Chambre de résolution des litiges, prend des décisions en première instance. Nous, on a été corrects, on a dit, les gens peuvent faire appel. Devant le tas. On aurait pu dire non, les décisions sont définitives. Il y a un peu plus de justice à l'Irège, nous avons dit, ok, très bien. Et le code passe, le chidel passe à l'avancière. Il y a un certain nombre à faire, il dit non, le sujet là.
C'est comme si au tribunal d'Alger, en première instance, pour une affaire banale, et les jugés, quand vous allez en appel, avec le juge au lieu de la cour d'appel et les jugés, elle va dire non, non, revenez en première instance. Ça n'existe pas dans le droit. Un autre exemple, la CRL a jugé que le club doit un joueur 10 000 dinars ou à tout le monde, il lui doit 40 000 dinars. Je parle de galère. Avec les éléments pour calculer, les poussards. Là, on a jugé que c'est 10 000. Vous dites où il a raison ou non. Et vous pouvez pas envoyer une affaire chez le juge là pour le. Et vous l'avez c'est la fameuse affaire de Cuba de l'Orient. L'affaire de Cuba, si vous vous souvenez, le tribunal de l'époque, n'avait pas voulu juger. Il a envoyé l'affaire devant la fédération. Alors qu'il aurait dû prendre à la première séance une décision oui ou non. Et ensuite, le C3 Cuba sur la fédération allait devant le tribunal de Lausanne, vous avez vu qu'est-ce que cela fait. Au moment où je vous parle, il y a plus de 70 affaires pendantes au CAS, qui ont plus de 2 années d'ancienneté qui n'ont pas été jugées. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Est-ce que ce monsieur qui était là peut laisser la fédération commencer un championnat et après la 7e journée dire non, non, celui-là il faut le descendre, celui-là il faut le monter? Rien pour ne pas léser les gens, parce qu'il s'agit de football amateur, quand même un peu de la honte, un port, et un peu de la honte, ou l'homme à 14. Nous avons, ça fait longtemps, nous avons des divisions amateurs qui vont jouer l'année prochaine à 18 au lieu de 16 et à 17 au lieu de 16. Mieux que ça. Une ligue, pour ne pas la nommer la ligue d'Adara. Il y avait un président qui a été contesté par ses pairs. Une décision de réunion d'une assemblée générale normale, réglementaire, statutaire a été convoquée. L'assemblée générale a retiré confiance avec la majorité requise à cet ancien président. Des élections ont été organisées, un nouveau président a été élu démocratiquement après campagne, après appel à candidature, etc. etc. Ce nouveau bureau a été agréé par la Dagrade de la Vilaya en tant qu'association. Je peux vous dire que tout a été agréé, c'est devenu le plus grand du mouvement. Avec l'ancien président Sango, il est allé écrire une lettre au président du TAS. Ce président de TAS a décidé de destituer l'élu normal pour remplacer celui à qui on a retiré la confiance. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des présidents comme au comité olympique dont il fait partie. Est-ce que c'est normal? Je connais un peu comme un fort. Pour vouloir réglementer, légiférer et gérer toutes les relations. C'est-à-dire, c'est au-dessus du ministère. Le ministère ne peut pas faire ça. Voilà, vous, le ministère. Vous, en plus, il a été des déclarations dans le journal, je n'ai jamais voulu répondre à ce que aujourd'hui, l'occasion m'est donnée. Ce monsieur ne connaît rien, avec tout le respect pour le droit qu'il connaît en tant qu'avocat, ne connaît rien au sport, au texte qui est juste le sport, le fonctionnement du tribunal. Je lui ai donné une circulaire de la FIFA, la FIFA des présidents du peuple. Moi, j'ai dit, c'est fini l'époque où vous demandez de l'argent à l'État ou à un sponsor pour lui dépenser son contrôle. Aujourd'hui, on est rentré dans l'économie de la gestion du sport. Si vous voulez aller loin, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est pas pour une... c'est Mohamed... tout à l'heure, je vais vous citer des exemples de gaspillage qui, d'ailleurs, concernent tout le monde. Et les présidents de clubs doivent impérativement avoir une gestion saine. C'est l'intérêt du club, c'est leur intérêt, c'est aussi la préservation, sur le plan pénal. Aujourd'hui, on est dans une situation, un conseil d'administration qui pose une mauvaise gestion peut aller en prison. C'est des abus de biens sociaux. On l'appelle dans le droit commercial. Alors, pour revenir à la démarche, on a réussi. Il y a des gens qui ont laissé le club amateur exprès parce qu'ils avaient deux chapeaux. Un club à 75%, ça n'existe pas. Un club amateur ne peut pas dépasser 5%. Si on veut que les gens apportent l'investissement, il ne faut pas dépasser 5%. Vous, les 5% valent 100 milliards. Et il dit 300 milliards, moi je crois.
Vous savez, je dis à 75% avec un capital de 1 million de dinars. C'est-à-dire que tu as fait 1 million, on ferait 1 million, juste pour que tu as 1 million de centimes. C'est pas un investissement. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a tout ça à recorriger, c'est pour ça que nous avons proposé à ce que les apports des clubs soient reconsidérés par des commissaires aux apports qui sont nommés par les clubs, et que les amateurs ont un droit parfait de céder conformément à la loi la gestion de la section football et de céder ce qu'on appelle les droits d'image et les insignes et les armoiries du club, ça a un coût. Jusqu'à aujourd'hui, des clubs professionnels en France continuent de fonctionner avec le numéro de registre de l'ancien club amateur. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un investissement utilisé. D'accord ? Mais des clubs comme Lyon, partie du CRF, de ce qu'on appelle là-bas, du club de l'OL, aujourd'hui on va se construire un immense complexe que l'État n'a pas construit. C'est ça, on ne veut pas ça, mais toute proportion gardée, nous voulons que de l'investissement dans le football. Ah, donc c'est cher, mais 10 millions, 14 millions, pour une caractère des gens. J'ai dépassé ça, mais 10 millions n'existent même pas, parce qu'il y a un match magique. Alors donc, l'investissement doit être conçu et regardé de manière économique, conformément à ce que prévoit le code de commerce, conformément à ce que prévoit le cahier des charges du football national. Et le cahier des charges est bien fait. Aujourd'hui, si la fédération applique le cahier des charges, nous sommes à la troisième année, je lui dis que nous, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il faut 4-5 ans pour le faire. C'est pour ça qu'on ne bouge pas beaucoup. Si on n'applique personne, peut-être le club ne pourrait fonctionner sur la base de la licence du club professionnel. Aujourd'hui, on a la chance, il y a des entreprises nationales, et j'espère que des entreprises privées nationales d'envergure, comme celle de la famille Fendet, qui sont engagées dans le sport en général, parce qu'on parle de professionnels de football. Pourquoi n'y aurait-il pas du basket professionnel ou du handball professionnel comme cela se fait ailleurs? C'est ça l'avenir de l'élite. Nous allons à un mondial de handball dans quelques jours, et aujourd'hui on n'a même pas de championnat. S'il y avait un championnat professionnel, les choses seraient différentes. Pourquoi ne pas élargir cela à d'autres disciplines? Nous voulons être une locomotive, et pour être une locomotive, il faut qu'on réussisse et qu'on donne l'exemple. Alors, il y a une chose qui est certaine, les ressources humaines qui ont géré le football amateur ne peuvent pas être les mêmes pour gérer le football professionnel. Nous passons d'un système amateur, un système économique, où il faut une branche de gestionnaire, où il faut les outils de la gestion, où il faut les outils juridiques, il faut les outils médicaux, il faut les outils sportifs, mais il faut aussi l'infrastructure sportive. Et c'est là où le problème d'infrastructure sportive que nous avons n'est pas utilisé. On n'est pas encore, quand on parle d'entraînement, si un club n'a pas un centre d'entraînement avec au moins un terrain et une petite infrastructure comme ça, on ne peut pas attendre de quoi que ce soit de ce club. Hier, j'ai appris par l'intermédiaire d'un beau collègue, quelque chose qui m'a vraiment touché, déçu. Un club comme le CSC, paraît-il, fait la quadrouille d'un village à l'autre pour s'entraîner toute la semaine. Ils ont un très joli terrain, ils ne peuvent pas s'entraîner dessus, c'est normal. Il paraît qu'ils ont droit une fois par semaine la veille des matchs, qui est logique. Il n'y a pas de terrain gazonné naturel. Autour, quand vous prenez le stade de Coléage, on parlait il y a quelques jours avec le ministre, ils sont en train de l'agrandir, c'est bien. Il y a une pelouse en gazon naturel dedans. Mais le stade d'équipe est en gazon artificiel. Comment peut-on s'entraîner sur le stade artificiel pour aller jouer sur du gazon naturel? Si on veut jouer du gazon naturel, on doit s'entraîner dans la surface à l'intérieur au bout de 10 jours, c'est d'eau. C'est ce qui est arrivé à Blida depuis qu'on a interdit l'entraînement sur le stade. Regardez la pelouse, c'est nous qui l'entretenons avec la société qui était désignée par la Wilaya. Sinon, on ne peut pas entretenir un terrain de jeu pour la compétition, on ne s'entraîne pas dessus. On vient jouer une fois par semaine et on s'en va. Et donc, il y a des aires d'entraînement dans les surfaces adéquates, en adéquation avec les terrains concernés, qui doivent être faites. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore une fois, on parle avec le ministre, on construit des stades en Algérie. Pas une seule fois qu'on a consulté la fédération. C'est vous les utilisateurs. Quoi je connais? Ils ne savent pas ce que c'est une zone mixte, par exemple. Dans les stades modernes aujourd'hui, on crée la zone mixte dans les plans. Elle est conçue à l'origine, une fois que les joueurs, une dorsaux, une jolie journaliste, qui va à la tribune de place, qui va aller, n'importe quel. Les vestiaires qui veulent gérer, qui veulent se photo les joueurs, tu ne veux pas le stade, qui va à le terrain, qui va les dimensions.
quel type de pelouse faut-il, quel type d'éclairage, quels sont les normes d'éclairage. Comment c'est qu'il y a du stade qui se congèle ? C'est pas normal. Voilà. On y reviendra de tout à بالنسبة للسؤال الأول، المحكمة العسكرية هذه حلتها اللجنة الأولمبية الجزائرية، واللجنة الأولمبية الجزائرية مكونة من جمعية عامة تنتمي إليها كل الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والأخرى. هذا قرار سجل لمؤسسة أكبر مؤسسة وأعلى مؤسسة الرياضية في البلد. ثانيا موسي محمود الروا الاختراع، محمود الروا شخص خاص ما عنده حتى علاقة بالموضوع هذا، الاتحاد الجزائري لكرة القدم اقترح، اوكي؟ والاتحاد الجزائري هو اللي عضو في اللجنة الأولمبية وليس شخصية المدربة، فهذا الاقتراح كان مبني على أسس كنت تكلمت عليها قانونية مرتبطة بالقانون الدولي ومرتبطة بالأسس القاعدية لتسيير محكمة رياضية مثل ما هو يجري في العالم في قطر ولا في لوزان ولا في الهند. هذا بس. وهذا السيد اللي تكلمت عليه ما بقاش اليوم. هذا راه في داره، ما عنده حتى دور، لأنه القرار اتخذ في اللجنة الأولمبية في الجمعية العمومية السيدة انتهى، ما عندوش حتى حق يزيد يتكلم باسم المرأة. بالنسبة للسؤال الثاني جاب لك لو كان لأنه كان المفروض أنا أتكلم عليه في البداية وكان من النقطة اللي كان لابد أن نتكلم عليها. فعلا الحمد لله البلد الوطني أهل بالأول إلى كأس الحياد المهم، ونحن بالنسبة لنا كاتحاد من مدة طويلة الإجراءات العادية للمشاركة في مثل المحلات الكبرى اتخذت وجهزت كل الإمكانيات وحضرت كل الإمكانيات اللازمة سواء مادية أو مالية أو بشرية لنضمن أحسن مشاركة للفريق الوطني. وإن شاء الله احنا الهدف كان هدفنا من زمان معروف انه على الاقل نوصل ان شاء الله للنصف النهائي. واخيرا الاتحاد المكتب الفيدرالي يحدي بالهدف من المنح ان شاء الله لتصرف في حاله النتائج الايجابيه. C'est une occasion pour que les gens de compétition soient ici. Il y a un papier qui a été écrit dans compétition qui est de grave mensonge qui a été publié aujourd'hui avec des chiffres complètement farfelus et un papier complètement ridicule sur les prix. Alors s'il vous plaît, n'écrivez pas des choses comme ça quand vous ne connaissez pas la réalité. On parle de centaines de millions, on parle de 5 milliards, que vous ne connaissez rien du tout. Il y avait une conférence de presse à la limite, vous venez ici poser la question avant d'écrire. La deuxième des choses, moi je vous mets au défi quiconque de me dire c'est quoi les primes de la Tunisie, c'est quoi les primes du Maroc. À la limite, vous voulez les halimes de la Tunisie et du Maroc, pourtant c'est déjà arrêté. Vous voulez les halimes de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas été une concerne par l'opinion publique, c'est une concerne par le grand public. Il y a des primes, nous, dans notre équipe nationale, on ne prend plus de sous depuis longtemps. Contrairement à d'autres pays, vous avez vu ce qui se passe au Togo, vous avez vu ce qui se passe dans d'autres pays, y compris le Maroc.
Le Maroc, à la veille de leur match au Gabon, la dernière Coupe d'Afrique, la veille du match, les problèmes étaient pas réglés. Tout ce problème a été résolu depuis longtemps. On ne parle pas de sous dans notre fédération avec les joueurs. Et les joueurs ne parlent pas de sous, s'il vous plaît, laissez ce problème de côté. Alors, quel Joël Mohim dans la classe de Joël, c'est le problème de l'Ontario. Hein. Ici et là, on dit le coach va-t-il réussir ses objectifs, s'il ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer? On a tenu compte d'une de ces déclarations, peut-être pour le conseil qu'il a. Les avalisés verts, c'est pas son quelqu'un, avec Cédé un jour, on lui parle l'histoire, il a dit, il a senti conscient de lui le talent. Il y a une stupide à partir de lui. Moi, je vous dis aujourd'hui et définitivement, s'il vous plaît. Monsieur Vakhli Dalilovic ne peut pas partir de cette fédération sans l'accord de celle-ci. Avant la fin de la prochaine Coupe du Monde en 2014. السيد واحد اللي هو بيس المدرب الوطني مهما كانت النتائج ما يقدرش يغادر الاتحاد بدون عقد الاتحاد، ما عندوش حق في العقد اللي عنده انه يسرح نفسه. الا الاتحاديه اللي عندها حق تسرحه في ظروف محدده في مختلف المواد الموجوده في العقد. لما نطلع فلان يهدر قطر يقول له روح فلان الانديه الاوروبيه يقول له روح ما يقدرش يهتم بالمضرب بدون الاذن تاعي هذه واحده ثانيا الناس تتكلم على هدف كاس افريقيا الامم والوضع داخل هذه البطوله الكبيره الناس نسات باللي كاين مختلف الاهداف اللي موجوده داخل العقد عنده حق اول تاع الهويه الاهم احنا عندنا ورقة عمل داخل العقد هذا هي تطوير فريق وطني. تطوير فريق وطني ما تقيسوش بالنتيجة، تقيسوا بالعمل. Le premier objectif c'est de se qualifier à la Coupe d'Afrique. Il a réussi, mais à l'intérieur de ce contrat, il y a une disposition pour créer une équipe nationale compétitive pour parvenir. Aujourd'hui, on travaille sur une équipe nationale qui veut faire deux Coupes du Monde. Nous sommes là, vous avez vu comment l'équipe est complètement refondue parce que nous pensons à devenir lointain. Et donc, il a la charge de créer une équipe avec tout ce que cela comporte sur le plan sportif, sur le plan humain, sur le plan technique, etc. Enfin, dans la Coupe d'Afrique, il y a un objectif qui est là. Mais ce n'est pas une fin du monde, mais une fin en soi. Il y a derrière l'objectif de se qualifier dans la Coupe du Monde. Donc, si la fédération demain, jusqu'après la Coupe d'Afrique, ce coach ne nous convient pas, seule la fédération peut le juger. Et seule la fédération peut dire qu'on a l'objectif oublié. Après la Coupe d'Afrique, le 23 mars, nous avons un match contre le Bénin. Coupe du Monde. Alors pourquoi parler de départ d'entraîneur, quels que soient les résultats, M. Ali Moussalama. Quels que soient les résultats, M. Ali Lovic, s'il a raté un objectif en cours, il en a deux autres derrière. Et la qualification à la Coupe du Monde et à la Coupe du Monde se qualifier au deuxième tour. Inch'Allah, Abdé ou Fabin. Donc, s'il vous plaît, oubliez ça et sortons des sentiers battus à l'acte à droite. On va commencer à Et pour le CRV, je peux vous assurer qu'il y a déjà au moins deux entreprises qui commencent à s'intéresser au club. Et j'espère que dans un proche avenir, ce club qui vous est cher à vous et à ses portefeuilles pourra trouver une entreprise qui investira dans